الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام البيهقي رحمه الله: الشعبة 64 من شعب الإيمان، باب في الصلاة على من مات من أهل القبلة. C'est la branche, la 64e branche de la foi, le fait de prier pour ceux qui sont morts parmi la communauté musulmane, Ahl al-Qibla, c'est-à-dire ceux qui ont la bonne croyance, ceux qui sont morts sur At-Tawhid. An Abi Huraira, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqul fi haqq al-Muslim ala al-Muslim, khams wa dhakara wa attiba'u al-janazah. وفيه أيضا الصلاة على من مات من أهل القبلة. Alors ça a été rapporté dans le hadith d'Abu Huraira que parmi les droits de musulman sur son musulman, lorsqu'il meurt, il prie pour lui. Et encore dans le hadith un autre: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس واتباع الجنائز وإجابة الدعوة. Il y a dans certaines versions, il y a le fait de prier pour lui lorsqu'il meurt, et il y a le fait de sortir dans ses funérailles. Et lorsqu'on a dit le droit de musulman sur son frère sont 5, le fait de répondre à son salam, le fait de rendre visite à ceux qui sont malades, le fait de lui dire « Irhamukallah » s'il a éternué, et il a dit « Alhamdulillah », le fait de sortir dans les funérailles de ton frère après sa mort, et le fait de répondre à l'invitation. وعن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قراطان. Celui qui sort pour prier seulement, il aura un qirat, et ça a été rapporté dans notre hadith, un qirat comme la montagne d'Uhud. Et s'il sort dans les funérailles et il prie, il attend jusqu'à l'enterrement, il aura deux qirat. Chaque qirat, c'est un poids comme la montagne de Uhud. وفي رواية شعبة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة فله قراط، ومن شهد دفنها فله قراطان مثل أحد. Rapporté par Muslim dans son Sahih de Shu'bah, qu'il a dit que النبي عليه الصلاة والسلام a dit: celui qui a prié pour un musulman, il aura un qirat, et celui qui assiste à son enterrement, il aura deux qirat comme la montagne de Uhud. إذن الصلاة على من مات من أهل القبلة شيء عظيم. Alors pour dire le fait de faire la prière pour un mort parmi les musulmans, c'est quelque chose de grandiose. هلا الصلاة على من مات من أهل القبلة إذا مات مرتدا ليس لنا أن نصلي عليه وليس لنا أن نقول اللهم اغفر له وارحمه. Celui qui est mort apostat, parce que finas, عند الغضب يسب الله ويسب دين الإسلام أو يعترض على الله عند المصيبة. Il y a des gens, lorsqu'ils s'énervent, ils insultent Dieu ou un prophète, ou ils se rebellent contre Dieu, ou ils insultent une loi parmi les lois de l'Islam, même une seule loi. Alors celui-là a mécru. S'il est revenu à l'Islam, c'est bon, on peut prier. Mais s'il n'est pas revenu à l'Islam, on ne peut pas prier pour lui, on ne peut pas dire « Oh Allah, pardonne-lui » et il est mort mécréant. لأن الله قال إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الله مدين مكريان. Il a préparé pour eux un feu ardent. Ils seront dans Jahannam éternellement sans trouver un soutien ni un secours. وعن سهل وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه يعني سهل بن حنيف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الضعفاء ضعفاء المسلمين يزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. النبي ما كان يقتصر في الزيارة على أهل الشأن والغنى. النبي عليه الصلاة والسلام il connaît soit parmi soit des pauvres, des misérables, les gens qui sont pas très connus et très célèbres, il les rend des visites, il les soutient, et ils sont malades, il les rend visite. Et s'il meurt, il sort dans l'air funérailles. Al-Nabi alayhi salatu wasalam ne faisait pas des classifications. Voilà, telle catégorie je vais, telle catégorie non. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ah, si le prince de l'Angleterre, il invite au mariage, il part là-bas.
Mais si quelqu'un d'autre l'invite pour qu'il ne vienne, il ne va pas. Il dit, mais moi, je suis millionnaire. Voilà, je n'assiste que des grands événements. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله ما كان هكذا. النبي le meilleur de toutes les créatures n'était pas comme ça. Il visitait ses frères, ses compagnons qui sont pauvres. Il visitait ses compagnons qui ont un certain dignité ou certaines responsabilités. Et il rendait visite aux riches et aux pauvres, aux esclaves. Il sortait avec une femme pour résoudre son problème. Il n'était pas orgueilleux, mais il avait un grand charisme. عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وروى نحوه مسلم. Alors عائشة a dit رضي الله عنها que سيدنا محمد a dit il n'y a pas un musulman qui est mort et il se trouve 100 personnes qui prient pour lui. Il demande à Allah Ta'ala pour lui le pardon sans qu'Allah exauce alors une invocation et il lui pardonne. وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Dans un autre hadith de Ibn Abbas, أن النبي عليه الصلاة والسلام a dit il n'y a pas un musulman que lorsqu'il mourra et il se trouve 40 personnes dans ses funérailles, il prie pour lui. Ils ne sont pas dans le shirk, c'est-à-dire ils sont des croyants sans qu'Allah Ta'ala exauce en leur intercession, leur invocation en sa faveur. Yani muhim annu an yusalli alayka jama'a min al-muslimin, c'est bien, c'est important qu'il y ait un groupe des musulmans qui prie pour toi, qu'ils soient 100 personnes ou 3 rangs, ça a été rapporté encore, ثلاثة صفوف. جيد هذا. والله سبحانه وتعالى كما قلنا بعض الأحيان يغفر للميت ولمن صلى عليه على هذا الميت. Des fois, Allah pardonne à celui qui est mort et à ceux qui ont prié pour lui. يقول عن قاضي نيسابور دخل عليه رجل فقيل له إن عند هذا حديثا عجيبا. On parle de quelqu'un qui était le juge de Naïsabour et un homme est rentré chez lui et lui a dit celui-là il a un hadith un peu étonnant. قال يا هذا ما هو. Il a dit mais c'est quoi ce hadith. قال اعلم أني كنت نباشا أنبش القبور. Il a dit j'étais quelqu'un qui volait les linceuls. J'ouvre les tombes pour voler les linceuls. فماتت امرأة فذهبت لأتعرف قبرها. Alors je suis allé pour voir la tombe de cette femme. Elle a dit après peut-être je vais voler son linceul. فصليت عليها. Mais quand même il a fait la prière lorsqu'ils ont fait la prière pour elle. فلما جن الليل ذهبت لأنبش قبرها. Durant la nuit je suis allé pour voler les linceuls. ضربت يدي إلى كفنها لأسلبها. J'ai pris, j'ai mis la main sur les linceuls pour le prendre. فقالت سبحان الله رجل من أهل الجنة يسلب امرأة من أهل الجنة. Elle a dit, Subhanallah, un homme parmi les gens du paradis vole les linceuls d'une femme parmi les gens du paradis. Alors, il était un homme fort, parce que qu'un mort, il te parle déjà dans le cimetière la nuit. C'est pas facile à supporter, mais tu vois, elle a dit, comment, toi tu es pardonné dans le paradis, mais moi avec ces actes-là. قالت ألم تعلم أنك ممن صليت علي وأن الله غفر لمن صلى علي. Elle lui a dit, tu n'as pas su que tu es parmi ceux qui ont prié pour moi. Et Allah Ta'ala a pardonné à ceux qui ont prié pour moi. Alors il s'est repenti. Il s'est repenti, il n'a plus refait le fait de voler les linceuls. هلا في الجنازة بتعرفوا انه يسرع في دفنها. الاسراع في الدفن في التجهيز. Lorsqu'il y a un mort, on fait vite les toilettes, les linceuls, la prière, l'enterrement. فماذا ورد في هذا؟ عن أبي قتادة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر عليه جنازة فقال مستريح أو مستراح منه. Un funérail, les funérailles ont passé d'un musulman ou d'un homme. On a dit, le prophète a dit, il trouve le repos ou certains se reposent après lui. مستريح أو مستراح منه. قالوا يا رسول الله وما مستريح وما مستراح منه. Ils ont dit, oh messager de Dieu, que ça veut dire quelqu'un il se repose ou
on se repose de lui. قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الكافر يستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاري ومسلم. Il a dit le croyant, il se trouve en repos après les difficultés de ce bas monde et le mal qu'il trouve pour avoir la clémence de Dieu. Et le mécréant, il se trouve que les gens se reposent après lui et les pays et les arbres et les animaux, tous ces gens-là se trouvent en repos de son mal. Le hadith rapporté par Bukhari Muslim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.